On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire. En fait, c'est une recette que j'ai vue sur YouTube. Je l'ai déjà testée et elle marche bien. C'est un sandwich avec des chips. Voilà. D'accord. La première étape, déjà, c'est de craquer les chips. Moi j'ai pris, parce que j'ai des petits paquets, j'ai pris un comme ça et un comme ça. Après vous pouvez le casser avec une cuillère ou avec vos mains. La dernière fois j'ai fait avec mes mains, voilà. Et moi j'ai pris ça là pour tout casser parce que ça va prendre du temps sinon. Voilà, on se retrouve pour la deuxième étape. Allez. Et aussi, vous pouvez mettre dedans, vous devez mettre soit de la mozzarella, soit du cheddar, et voilà. Ou sinon, vous pouvez choisir un autre fromage que vous aimez, voilà. Voilà, c'est bon. J'ai terminé, finalement, je vais prendre un paquet de chips, voilà. Je vais vous montrer. Alors là, je vais vous dire, ça, c'est du jaune d'œuf. Alors, en fait, vous devez, quand vous cassez l'œuf, vous devrez garder le jaune avec, voilà, et mélanger dans un bol. Voilà. Après, vous prenez le fromage que vous voulez ou de la mozzarella. Moi, pour le faire, j'ai pris du cheddar. Voilà. On se retrouve que j'aurai tout préparé. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Allez. Alors voilà. Pour la première étape, vous devrez mettre. Vous devrez mettre le fromage dedans. Voilà. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, pour le pain, je vous conseille de ne pas mettre un pain entier. Je vous conseille de prendre un couvercle que vous voulez, mais qui soit assez grand. Moi, j'ai pris un couvercle de café, voilà. Et là, ça fera ça. Voilà. Après, j'ai pris des autres aussi. J'ai pris des ronds. Voilà. Et voilà. Après, j'ai gardé ça quand même parce que j'ai pas envie de le jeter à la poubelle. Je pourrais le tremper aussi dedans. Et voilà, on se retrouve quand j'aurai tout préparé encore. J'arrive pas à couper, alors je vais vous montrer directement. Alors là, voilà, j'ai découpé toutes les chips. J'ai cassé les chips. Voilà. Maintenant, on doit mettre dans un autre bol. Et c'est bon. Voilà. Maintenant, j'ai fait. Je vais tremper dedans et je vais vous montrer. Alors, là, je sais pas si vous voyez bien. Là, il y a les chips. Voilà. Voilà. Il y a tout. Attends, je vais vous montrer. Voilà. Là, il y a les chips. Regardez. Voilà. Maintenant, je vais tout tremper dedans. Et quand je... Et voilà. Et juste avant que je coupe là, et ben vous devez tremper dans l'œuf et après tremper dans les chips. Voilà. Et la vidéo ne sera pas encore finie. Je vais vous montrer. Enfin, oui, pas besoin de vous montrer. La vidéo va se terminer. C'est juste pour vous dire. Vous chauffez à la poêle pendant 3 minutes. Au moins 3 minutes. Voilà. Et vous pourrez manger. Et pour ceux qui le fassent, bon appétit. Allez, ciao pour une nouvelle vidéo.